Sur la décharge sauvage, l'activité continue. Sous nos yeux, un ouvrier déverse dans le vallon des gravats qui viennent tout juste d'arriver. Mais d'où viennent donc ces déchets? Quel entrepreneur ose agir avec autant d'impunité? Pour le savoir, nous avons décidé de suivre ce camion. Après 40 minutes de route, il nous mène à un chantier situé sur les hauteurs de Cannes. Une villa en construction. Sur place, nous trouvons le nom de la société chargée des travaux. Nous la contactons aussitôt pour prendre rendez-vous. Nous nous faisons passer pour des clients qui avons besoin d'un devis pour nous débarrasser de déchets issus d'un chantier. Les camions, ça varie entre 450 et 600 euros le camion. Chargé, évacué. Déchetterie comprise. Environ 500 euros le camion, c'est le prix du marché. Sur cette somme, la moitié est normalement destinée à payer la déchetterie. Mais si les déchets terminent comme les autres en décharge illégale, les 250 euros tombent directement dans les poches du patron de l'entreprise. Et nous allons apprendre que l'homme en face de nous n'en est que le simple gérant. Je suis à la retraite et je ne fais que l'administratif. Notre associé, c'est lui l'actionnaire principal. Moi, je ne suis pas mis à 1 euro ici dedans. D'accord. C'est lui, c'est à lui qui appartient à la boîte. C'est qui? C'est monsieur Blanger. Nous apprenons que le véritable patron de cette société n'est autre que le propriétaire du terrain sur lequel s'est installée la décharge illégale. Il ne serait donc pas victime d'un entrepreneur malhonnête, puisqu'il semblerait que ce soit lui qui tire toutes les ficelles. En déchargeant les déchets de ses clients sur son propre terrain, sans payer les tarifs des déchetteries, il réaliserait donc des économies considérables. Nous l'avons contacté pour lui proposer un rendez-vous. Après plusieurs coups de fil, il finit par accepter de nous rencontrer. C'est un homme affable et plutôt de bonne humeur qui se présente à nous ce jour-là. Nous enregistrons la conversation à son insu. Pourquoi vous continuez à mettre de la terre? Pour continuer pas, on fait de la récupération, c'est vrai. Montrez-moi les photos que vous avez. Pour lui, toujours pas question de parler de décharge illégale. Il se contenterait de rapporter de la bonne terre pour faire des remblais. Regardez, du plastique, des tuyaux, des parpaings. Peut-être qu'il y a quelques petits morceaux. Mais je vous garantis, il y a beaucoup. Il y a 95% de terre. Peut-être une dizaine de camions à gravats. Avant, c'était de la forêt. La forêt, c'est du mimosa. Une forêt de mimosa arrachée. Visiblement, l'environnement n'est pas sa première préoccupation. Les arbres qui sont nobles, qui sont restés. On avait vu des arbres, ils s'étaient défrichés, C'est du mimosa, c'est de la merde. Pour vous, c'est parfaitement légal ce que vous avez fait. Est-ce que j'ai dit que c'était légal? Est-ce que vous avez entendu dire... Non, mais chaque fois que je dis un truc, vous me dites « Mais non, mais c'est bon, j'ai le droit... » Est-ce que je vous ai dit que c'était légal? D'accord. On est d'accord, c'est pas légal. Je vous ai dit que j'allais faire un permis d'aménagement pour aménager le terrain. Et je suis pas voyou. L'homme semble plutôt serein. Pourtant, ses pratiques sont punies de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Mais dans les faits, les procédures sont longues et les condamnations rares. Bonne journée à vous. Une certaine impunité règne donc dans ces affaires de décharges illégales.